Marc, chut. T'as mis un temps pour ouvrir, qu'est-ce que tu faisais? Marc, je ne sais pas si t'as vu l'heure, mais il est 6h30 du matin. 6h30 du matin? Je te dérange, tu travaillais? Non, je dormais. Ah, alors c'est moins grave. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quand ça que ça m'arrive? Je ne sais pas, c'est pour ça que je te pose la question. Mais il ne m'arrive rien. Attends, Marc, il est 6h30 du matin. Tu manques de démolir à moitié la porte et tout est dans un état pas possible. Tu vas pas me faire croire qu'il ne t'arrive rien de spécial. Mais non, je suis juste un peu fatigué. C'est tout. Fatigué, oui. Bon, ça s'est bien passé, ta soirée avec... Fulvia. Oui, la brésilienne. Bien. Un peu fatigant, mais alors bien. Et c'est à cause de la fatigue que tu n'as pas pu ouvrir la porte avec tes clés. Ah non, ça c'est... Ah, je vais te faire rire, je les ai perdus. Oui. En dansant à la samba, tu sais, elles ont dû gicler de ma poche. Ah, parce que tu danses la samba, toi, maintenant. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on danse avec une brésilienne? Effectivement, oui. Alors, Fulvia a voulu à tout prix me faire visiter toutes les boîtes brésiliennes de Paris. Et alors, il y en a, hein? J'ai chaud, ouais. T'as pas un mouchoir? Eh ben, je sais pas si tu as remarqué, mais je suis en pyjama, moi. J'ai pas de mouchoir. Viens. Oui. Voilà. Ça, c'est un Fulvia. T'en rends compte? Eh, j'ai tout perdu. Même le mouchoir. Même mon portefeuille. Même ta carte de crédit, je crois. Je suis pas sûr, mais alors je crois. Attends, qu'est-ce que tu dis, hein? Je crois que j'ai perdu ta carte de crédit. Non, Marc! Ah, c'est pas la peine de chercher! Je suis sûr de l'avoir brisé hier soir, avant de partir. Mais fais opposition, hein, c'est plus prudent. Oui. Bon, Marc, à part la samba... Oh, à part la samba? À part la samba? Eh bien, la samba. Attends, tu veux dire que Fulvia et toi, vous n'avez fait que danser toute la soirée? Oui, oui. Ouais. Comme des fous, Fulvia et moi. Ouais. Attends. La rose, les fleurs, le resto, l'eau des toilettes... Alors, attends, c'est pas l'eau des toilettes, c'est l'eau de toilettes. C'est pas pareil du tout. Oh! Tout ça pour la samba, rien que la samba. Ah ouais? La samba? Que tu veux dire? Ben, je sais pas, mais c'était la femme de ta vie. Je pensais que... Enfin... Tu l'as embrassée tout de même, non? Mais c'est incroyable. Vous, les anglo-saxons, vous vous jetez sur les femmes, là. Comme des bêtes. Avec tout le foin que tu faisais avec Fulvia, je pensais... Marc, j'y ai pensé aussi. Mais alors, tu vois, je voulais la mettre en condition. J'ai réussi, remarque, elle est complètement folle de moi. Mais après, je la sentais trop fatiguée. J'ai préféré renoncer pour mieux sauter. Marc? Marc? Eh oui, décidément. La samba. Bon, j'allais me recoucher, mais d'abord, la carte de crédit. Tiens, ma puce. Encore un peu de chocolat. Merci, maman. Oh, mais bon. Pas chaud. Maman, les céréales, s'il te plaît. Oh. Oh, maman, les céréales. Ah oui. Tiens, voilà. Merci. Dites donc, les filles, ça a pas l'air d'aller fort ce matin. On dirait que vous êtes dans le cirage, là. C'est bien ce que se dit, elles sont dans le cirage, là. Comment tu sais ça, toi? Ah, tu les as vues? T'as vu, j'ai dit les filles, ma mère m'a pas fait un discours sur le respect, la politesse, etc. Ah oui, c'est vrai, Claire, Vincent a dit les filles. Vincent, je t'ai déjà expliqué qu'à ton âge, on parlait avec respect aux adultes. Ça, tu me le paieras. Bon, allez, vous avez fini? T'as l'air fatiguée, maman. Ta réunion de travail, c'est fini tard? Ma réunion? Quelle réunion? Ah oui, ma réunion. Oui, oui, très, très, très tard. Ouais. Et vous aussi? Ouf, ouf. Alors apparemment, vous étiez dans la même réunion. Mmh. Oui. Oui. C'est bizarre, je savais pas que vous preniez des cours d'histoire de l'art, vous aussi.
Et elles sont venues voir, comme ça, si ça leur plaisait. C'est tout. Un cours de soir. Ah oui, un cours du soir, oui. Mm. C'est vrai, le cours du soir, ça finit tard, quand même. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Pas si tard que ça. Non, mais moi, je sais pas. Je suis descendue à 3h du matin à prendre un verre d'eau. J'ai vu qu'il y avait personne à part Wendy et David. Hein. Mais qu'est-ce que tu imagines, là? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire dehors, toutes les trois, à 3h du matin? C'est ce que je me suis demandé. Oh, bon, allez. Vous avez fini cette fois-ci? Moi, pas encore. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est l'heure de l'école, faut y aller. Allez, debout. Wendy, ma chérie, toi aussi, s'il te plaît. Allez. Oh, et Vincent, s'il te plaît, tu ne lâches pas la main de Wendy et t'es gentil avec elle, d'accord? Ok. Allez, merci. Hop, un bisou. Tiens, chérie. Allez. À ce soir, les enfants. Travaillez bien. Au revoir, les petits monstres. Oh, bah les filles, je sais pas pour vous, mais enfin moi, j'ai bien envie de donner le biberon à David et d'aller immédiatement me recoucher. Vous avez entendu ce qu'a dit Vincent? Oui. Pourquoi? Vous croyez qu'il a un doute? Ah, bah à mon avis, c'est descendu à 3h du matin et qu'il a vu personne, c'est qu'il a plus qu'un doute. Oh là là, mais il va être complètement traumatisé, cet enfant. Oh, il va s'imaginer des choses horribles sur notre soirée d'hier soir. Remarque, tout ce qu'il pourra imaginer sera toujours moins horrible que la réalité. Oh là là, quand je pense à ces trois horreurs d'hier... Oh, plus crétin on fait pas, je crois. Prétentieux en plus. En ziné, j'en voyais plus le bout, moi. Et le mien qui me racontait sa vie en postillonnant dans la figure. Les filles, dire qu'on a refusé un dîner avec Daniel, mais on est vraiment trop bêtes, là. Ah non. Oh. Ah non, pas le téléphone, non. Non, parce que là, j'ai mal à la tête. Oh. On a déjà eu droit au concert des réveils ce matin. J'y vais. Oh. Allô? Allô? C'est qui? David. Les trois d'hier? Oh non! Allô? Non, la madame, elle est pas là. Je sais pas, elle est chantiche pour la journée. Je cherche. Allô? On éteint la lumière. Eh ben, décidément, ça fatigue vraiment. La samba. Bonjour. Bonjour. Je suis bien chez Marc Malois. Oui, enfin, il habite ici, oui. Je suis Fulvia, une amie de Marc. Ah! Il ne vous a pas parlé de moi. Si, je vous en prie, entrez. Merci. Et vous, vous êtes qui? Moi, je suis Daniel, un ami de Marc. Oh, Daniel! C'est pas possible! Ben, je vous assure. Vous voulez dire Daniel, le garçon qu'il héberge dans son appartement? Oui, c'est ça, oui. C'est pas possible. Il m'a dit que vous étiez petit, moche, que vous portiez des lunettes et puis que vous aviez des boutons partout. Et il ne vous a pas dit que j'avais une bosse dans le dos et des verrues et des tics nerveux? Non. Mais c'est très bien qu'il ait menti comme ça. Ça me fait une belle surprise. Ah oui? Mais sur vous aussi, elle a menti. Non. Ouais. Il n'a pas osé faire ça. Si. Il vous a décrit comme une Brésilienne, jeune, intelligente et très mignonne. Ah. Et vous trouvez qu'il a menti? Oui. Parce que vous n'êtes pas du tout mignonne. Vous êtes ravissante. Merci. Et Marc, il est là? Mm-hmm. Oh, le petit chou. Il récupère. Il a l'air si fatigué hier. Très fatigué, oui. C'est la samba. Et vous, vous aimez la samba? Ah ben, avec vous comme cavalière, je crois que j'aimerais beaucoup. Attendez, je vais vous le réveiller. Non. Attendez. Il est si mignon quand il dort. Vous trouvez? Oui. Et puis,
Ce que j'avais à lui demander, c'est pas si urgent. Je peux attendre qu'il se réveille. Ben, quand vous voudrez, hein. Enfin, pas trop. Ben, qu'est-ce que vous avez à lui demander? Je peux peut-être vous aider. Oui, c'est sa voiture. Il m'a dit qu'une Rolls, ça ne craignait rien, qu'on pouvait la garer n'importe où. Alors, il l'a mise devant le parking de l'ambassade. Mais c'est pas vrai. Ils ont appelé, et elle est à la fourrière comme une vulgaire de chevaux. Rose à la fourrière, il ne manquait plus que ça. Mais là, la voiture à la fourrière, c'est pas grave. Mais j'ai toutes mes affaires dedans et les clés de chez moi. Oui. Bon. Marc. Marc. Ah ben, je suis bête. De toute façon, c'est pas la peine de le réveiller parce que il a perdu les clés de voiture. Oh non! Comment on va faire? Ben, ne vous inquiétez pas. C'est une voiture de location. Ça, je sais. Ah bon? Oui. Il y avait le logo de l'agence sur le porte-clés. Mais chut, rassurez-vous, je n'ai rien dit à Marc. Il avait l'air tellement content de dire que c'était sa voiture. Bon, je sais ce qu'on va faire. On va passer à l'agence. Ils ont sûrement un double. Oui. Je suis désolée de vous déranger. Mais vous ne me dérangez pas du tout. On y va? Oui. Oui, on y va. Que la madame, elle est pas lâche. Si, plus tard, plus tard. Et je sais pas, la semaine prochaine. Il ne souhaite pas un standard. Oh, mais c'est pas vrai, des pots de colle pareils. Bon, ils ont compris, là. Quoi? Que la madame, elle est pas là ou qu'on veut plus les voir? Les deux. Je sais pas. En tout cas, 15 coups de fil depuis ce matin, ça devient encombrant, là. Et surtout pour la ligne. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Ah, c'est ça, le truc. Ils vont pas nous coller comme ça toute notre vie, quand même. Oh, pas de malheur. À choisir, tu vois, je préférais encore Marc. Oui, bah c'est pas de chance. Parce que lui, justement, il nous laisse respirer. Maintenant qu'il a rencontré sa brésilienne. Ouais. Oh, excuse-moi, Magali, excuse-moi, j'avais oublié. Oublié quoi? Bah que Marc... Enfin, que tu y tenais un peu, quoi. Mais j'y tiens pas, mais c'est toujours agréable, un homme qui vous fait la cour, c'est tout. Oui, bien sûr. Ouais, et bah à choisir, je préfère encore Marc que ces trois ringards, tu vois. Ouais, moi aussi. Au moins, on était habitués. Exactement. Quand je pense qu'on a refusé un dîner à Daniel. Oh, j'espère qu'il va pas trop nous en vouloir. Ouais, moi aussi. Non, il va pas nous en vouloir, Daniel. Il est pas rancunier. Ouais, mais tout de même, on n'a pas été très sympas. Le laisser tomber, comme ça. Alors que Marc l'a flanqué à la porte de chez lui pour pouvoir draguer tranquille. Pour une fois qu'il avait besoin de nous. Ouais. Oh. Il a dû errer tout seul la nuit, comme une âme en peine. Oui. Allez, filles, vous êtes là. Tant mieux. Restez assises. J'ai un truc à vous dire assez dur à entendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Daniel. Ah ben c'est marrant d'en parler. Qu'est-ce que vous en disiez? Que le pauvre avait dû errer toute la nuit comme une âme en peine. Si vous voulez mon avis, il n'a pas dû errer longtemps. Je viens de le croiser au bas de l'immeuble dans une voiture avec une fille qui n'a rien à envier à Sidney Crawford et Estelle Hallyday réunies. Et c'était pas un chauffeur de taxi. Qu'est-ce que tu racontes? La vérité, l'horrible vérité. Quand je pense qu'hier soir, on a refusé d'aller dîner avec lui pour aller passer la soirée avec ces trois ringards. Oh, mais c'est pas possible, ça! Salut, les meufs. Vincent, Wendy, déjà? Mais c'est pas possible! Alors, tu vois, quand ça part comme ça, faut commencer à se méfier, parce que la pension, elle est pas loin, tu comprends? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Bah, rien du tout, moi j'apprends juste à Wendy à reconnaître les signes précurseurs de l'abandon parental. Des sorties tardives, ensuite il pense qu'on rentre trop tôt, puis après il trouve que c'est beaucoup mieux si on rentrait pas du tout. Mais mon chéri, je t'interdis de dire des choses pareilles. Tu sais bien que tu es mon bébé chéri. Ah ouais? Oh, je n'irai plus jamais au cours du soir, je te le promets, juste ta maman restera toujours auprès de toi. Ah mais non, mais faut pas que tu fasses ça, hein, parce que c'est important à ton âge, les cours du soir. Allô? Hein? Je sais pas, moi, attendez. C'est un type qui demande si la madame elle est en Autriche.
Je vous prépare un petit café. Oui, je veux bien. Ça ne vous dérange pas? Mais ça ne me dérange pas du tout. C'est même la moindre des choses qu'on peut faire pour son chauffeur. C'est tellement gentil de votre part d'avoir fait tout ça pour que je puisse récupérer mes clés. Et vous, de m'avoir accompagné jusqu'ici, j'aurais pu prendre un taxi. Hein? Oh, sûrement pas. Et vous auriez pu vous changer bien tranquillement et vous détendre. Vous devez commencer à en avoir besoin, non? Mais je me détends très bien quand je suis en votre compagnie. Ah bon? Oui. Et Marc? Ah ben, il dort toujours, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous lui avez fait? La samba. Rien que la samba. Mais je peux faire autre chose. Ah oui? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, Fulvia, mais je ne peux pas. Et pourquoi? Ah ben, à cause de Marc. Et Marc, il dort? Ah oui, justement, je ne peux pas faire ça devant lui qui dort. Ah bon? Moi, je trouve ça plutôt rigolo. Excitant, même. Fulvia. Oui. Marc est mon ami. Je sais, ton meilleur ami. Et alors, où est le problème? Il dort. Et de toute façon, je n'ai rien fait de plus que danser la samba. Vraiment, rien de plus. Mais évidemment, si tu n'aimes pas mes baisers. Daniel. Tiens, c'est elle. Vous avez entendu Vincent? Je suis sûre, moi, je l'ai traumatisé. Mais arrête, Vincent n'a rien d'un enfant traumatisé, enfin. Jusqu'à hier soir, non. Mais cette histoire l'a beaucoup plus touché qu'il ne veut bien l'avouer. Mais non, il te fait marcher. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu marches. Mais pas du tout. Oh. Ah oui, alors comment se fait-il qu'aujourd'hui, justement, tu lui as acheté ces deux jeux vidéo qu'il réclamait depuis un mois? Parce que de temps en temps, il faut bien céder. C'est clair. Vincent va très très bien, simplement il est très malin. Il a senti que tu culpabilisais pour ton histoire de dîner d'hier soir et il en a profité, c'est non, tout. Non, 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 ça, un enfant qui parle d'abandon parental et de pension, c'est un enfant traumatisé. Je le sais, c'est mon fils. Je préfère renoncer à ma vie de femme si son bonheur en dépend. Bien, moi aussi je préfère renoncer au moins aux trois d'hier soir. Même si le bonheur de Vincent n'en dépend pas. Moi aussi. En plus, vous avez vu ses horreurs. Au fait, les filles, vous croyez que c'était qui la fille avec Daniel? Mais comment veux-tu que je le sache, moi? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle était sublime. Et il avait l'air vraiment amoureux? Mais j'en sais rien, moi. Je l'ai vu passer comme ça devant moi, en voiture, en deux secondes. Bon, écoutez, on va pas recommencer. T'as vu Daniel dans une voiture avec une fille? D'accord, elle était sublime. D'accord, c'est embêtant, mais ça ne prouve rien. C'était peut-être une cliente. Oui, oui, ça ne prouve rien. Mais c'était peut-être autre chose qu'une cliente. Les filles, on va pas s'affoler quand même. Hier soir, Daniel était encore célibataire. Il n'y a aucune raison pour qu'il y soit plus ce matin. Non, c'était une cliente. Oui, sûrement. Oui, sûrement. N'empêche que si on n'avait pas laissé Daniel hier tout seul, eh ben on aurait été fixé. Regardez, Marc, avec sa brésilienne. En deux temps, trois mouvements, Magali a dégagé. Magali. Oui, non, non. Oui, excuse-moi, excuse-moi, Magali. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, le choc est passé. Hein? Et puis comme ça, je respire. Tu respires? Ben, à mon avis, ça va pas durer. Marc est de retour? Non, pire. Retourne-toi. Coucou! C'est nous! Ça, c'est une surprise. Ah, dites pas le contraire, ça se lit sur vos visages. Comme on n'arrivait pas à vous joindre au téléphone, ben, on a préféré venir. C'est super, non? Super! Les filles, vous croyez vraiment qu'on en est débarrassé de ces trois croûtons? Ah ben j'espère bien. En tout cas, on a mis le paquet. Puis on n'a pas fait dans la dentelle. Hein. C'est longtemps que j'avais parlé comme ça. Oh là là. Et vous avez vu leur tête? Quand Fanny a commencé à leur parler de sa mycose. Oh non, trop drôle. Et Claire, avec sa névrose obsessionnelle. Je ne supporte pas de cohabiter avec le moindre petit.
petit grain de poussière. Un pli dans mon lit, ça me bloque, c'est fou. C'est une serviette, une chaussette mal pliée. Et c'est l'horreur, j'ai toujours un pour m'en remettre, mais... Ah, mais qu'est-ce que vous avez, là? Un faux pli. Quelle horreur, un faux pli. Et comment vous m'avez trouvée? En info, dévoreuse de Sainte-Marie. Parfaite. Cependant, ton Paul a été très courageux, Sénéco. Récit de ta troisième rupture qu'il a craqué. Bon, bah, les filles, maintenant qu'on s'est débarrassé de ces trois ringards, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on en trouve trois un peu plus potables. Mais ça va pas être facile. Ouais, il nous reste toujours Daniel. Daniel. C'est vrai que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et puis, c'est juste à côté de chez nous. Vous croyez que ce soir, de nouveau, il va nous inviter à dîner? Mais oui. Tant que Marc est avec sa brésilienne, il expulse Daniel de chez lui. Et nous, on le récupère. Tiens, regardez qui voilà. Vous avez vu la tête qu'il a, ce bon Marc? Oh, la nuit avec sa brésilienne. Ouh là là. Salut les filles. Salut Marc. Ah, Magali, hier, vous m'aviez gentiment proposé de venir boire un verre avec vous. Alors, si vous voulez... Ouais, mais hier, vous aviez des projets. Ah oui, pour mon roman. Mais là, c'est fini. Alors, je suis tout à vous, si vous voulez. Ah bon, déjà? Mais votre amie brésilienne? Ah, Fulvia. Mm-hmm. Comment vous savez? Ben, c'est Daniel qui nous a dit. Il paraît que vous êtes très amoureux. Enfin, je croyais l'être. Mais je me suis trompé, c'est pas une fille pour moi. Pas du tout une fille pour moi. Alors qu'il y en a d'autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, rien du tout. En la voyant ce matin, j'ai compris que j'étais pas amoureux d'elle. Mon cœur est pris ailleurs. Je crois que Daniel m'a évité de faire une grosse erreur. Ah bon? Mais Fulvia, qu'est-ce que vous lui avez dit? Ben, j'ai rien eu besoin de lui dire. Elle a compris tout de suite. Ça a dû être dur pour elle, hein? Ah ben non, parce que Daniel l'a consolée. C'est marrant, il a toujours aimé les filles qui me plaisaient. Et là, je crois qu'il est très amoureux. Mais alors? C'était pas une cliente?